Bonjour à chacun et à tous, et bonsoir, car ça dépend de l'endroit où vous vous situez en ce moment. De toutes les façons, au Bénin, nous sommes en début d'après-midi. Tout le plaisir pour moi de participer à ce FISFES en ligne. Je passe par ce canal pour remercier toute la communauté internationale des réparateurs et ceux qui s'intéressent à la cause de la réparation, et surtout les organisateurs du présent événement. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir depuis le Bénin. Ma présentation a pour thème les réparateurs, l'arbre qui cache la forêt. En début de propos, je voudrais vous dire déjà que cette présentation est un résumé des premières conclusions auxquelles nous sommes parvenus après une consultation citoyenne sur ce que les populations pensent de la réparation au Bénin. Alors, la réparation étant aujourd'hui au cœur de l'économie circulaire, dont l'allongement de la durée d'usage est l'un des 7 piliers. Voyez-vous? Donc, la réparation s'affirme de plus en plus comme un élément d'une stratégie de politique publique en visant à mieux protéger et informer le consommateur sur la réparabilité et l'allongement de la durée de vie des produits. Malheureusement, les porteurs de responsabilités qui sont nos gouvernants et autres, ici au Bénin, ne s'en soucie guère. Le chiffre d'affaires du marché de la réparation continue de connaître une forte augmentation. La réparation, surtout auto, moto, et la réparation des équipements électriques et électroniques représentent la très grande majorité du secteur de la réparation. Le secteur de la réparation mérite donc une attention particulière. C'est ce que nous faisons à travers notre club de réparation, les Sentinelles Fils Club du Bénin, avec l'ONG Voix et Action Citoyenne, dont je suis le premier vice-président. Donc, mon intervention va en présenter une partie du contenu de cette consultation citoyenne que nous sommes en train d'effectuer, qu'on éprouve des difficultés à boucler. Mais je vous rassure, nous allons aboutir à cela. Nous allons finalement sortir ce document-là, et dont le titre serait Les réparateurs. L'arbre qui cache la forêt. Alors, au Bénin, les acteurs de la réparation sont les réparateurs eux-mêmes, les services après-vente, les consommateurs, mais également des porteurs de responsabilité, sans oublier les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui viennent loin derrière, comme notre club, qui est d'ailleurs le seul club de réparation au Bénin. Au cours donc de la consultation, nous avions interrogé nos compatriotes sur les raisons de faire réparer leurs appareils. Leurs perceptions peuvent être rangées autour de trois grands axes. Le premier axe est la démarche écologique que la réparation permet donc de faire. On a observé chez nos concitoyens une conscience écologique très renforcée. C'est vrai que, par tradition, nous réparons en Afrique et au Bénin aussi, mais cette consultation nous a permis de nous rendre compte que cette conscience écologique est encore plus renforcée. Nous avions remarqué qu'il y a un fort intérêt à éviter le gaspillage aujourd'hui au Bénin. Donc, pour cette raison, aujourd'hui, ceci continue. Les Béninois continuent de croire aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser un peu plus longtemps encore leurs affaires, leurs objets électroniques, et tout ce qu'ils utilisent à la maison. Donc, 75% des personnes qu'on a approché souhaitent consommer mieux et autrement pour une consommation plus responsable. Donc, au regard de la réparation, 85% sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle la réparation permet de réduire la quantité de déchets produits. Donc, c'est très expressif. Ça montre combien les populations au Bénin prennent à cœur le secteur de la réparation. Le deuxième axe qui nous intéresse, c'est l'avantage économique que les populations retirent de la réparation. Et ceux qu'on a approchés, 90% parmi eux pensent que le fait de réparer un objet plutôt que de s'en séparer est un moyen de faire des économies, principalement parce que c'est une manière de faire durer plus longtemps un objet en lui donnant une seconde vie. Donc, ce faisant, nous n'avons pas à mettre encore la main à la poche
pour aller acheter un nouvel appareil, un nouvel équipement, dans la mesure où on a la possibilité de le réparer. Le troisième axe qui montre combien la réparation est importante selon la perception de nos concitoyens, c'est que la réparation favorise l'économie locale. Et à la question de savoir quels acteurs incarnent le mieux la réparation, la tendance est très nettement en faveur des acteurs de proximité, tels que notre club de réparation, les gens comme le commerçant indépendant, le réparateur indépendant. Voyez-vous, donc 82% considèrent qu'ils incarnent la réparation. Voyez-vous, donc les gens pensent que le réparateur à côté d'une rue, qui a sa boutique ou bien son atelier quelque part, incarne vraiment la réparation. Voyez-vous, donc voilà les trois axes dans lesquels on peut inclure les perceptions des Béninois sur les avantages et le rôle important que les réparateurs jouent aujourd'hui. Et si je rappelle ces axes-là, c'est la démarche écologique, c'est l'avantage économique et c'est l'économie locale. Et sur ce dernier axe, l'économie locale, je ne vous dirai pas, les réparateurs aujourd'hui, si nous prenons 10 réparateurs, 8 sont déjà des chefs de famille. Ouais, et quand on prend les statistiques du recensement général de la population au Bénin aujourd'hui, la taille moyenne d'un foyer, d'une famille, c'est au moins 4 personnes. Et si on étale 8 fois 4, ça fait déjà 32 personnes. Donc, 8 réparateurs vont s'occuper d'au moins 32 personnes grâce à leur activité. Donc, la réparation est donc pourvoyeur de devises, permet aux réparateurs de s'occuper de leur foyer, de s'occuper du bien-être de leur famille. Alors, malgré toutes ces bonnes raisons de fréquenter les réparateurs, des défis restent à relever. Et notre consultation citoyenne nous a permis donc de recenser quelques défis. Le premier défi, c'est le capital confiance aux réparateurs. Capital confiance parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des réparateurs ne sont pas des personnes formées. C'est des personnes qui ont appris le métier sur le tas. C'est des autodidactes. C'est des jeunes qui aiment l'électronique, qui aiment l'électricité, qui, à force de faire, ont installé un atelier. Donc, il y a le problème de formation qui se pose. Il y a également le problème d'équipement. Nombreux sont ces réparateurs qui ne sont pas bien équipés. Il m'est déjà arrivé de voir des jeunes gens qui, pour tester l'alimentation dans de petits circuits pour voir si l'électricité passe dans de petits éléments, utilisent leur langue. Nous ne sommes pas sans savoir que ceci ne reste pas sans danger. Donc, il y a le sous-équipement. Le deuxième élément ici, comme défi, c'est les délais trop longs de la réparation, ce qui crée une perte d'usage en l'absence de prêt d'un produit équivalent à celui mis en réparation. Dès lors que vous leur remettez votre appareil, on l'a dit en haut, je l'ai dit en haut, ils ne sont pas suffisamment bien formés. Et pour cette raison, si tu leur remets ton appareil, ton équipement, ils se trouvent des fois, quand ils ont des difficultés à diagnostiquer la panne, ils font appel à un certain nombre de leurs amis et leur expliquent un peu la situation. Et tout ceci prend du temps. Donc, ça ne permet pas au consommateur de rentrer vite de vite récupérer son équipement qu'il a remis. Il y a également le manque d'informations sur la réparation et la multitude de réparateurs indépendants ou non. Aujourd'hui, au Bénin, la réparation est la chose la mieux partagée. Partout, partout, oui, partout, vous avez un réparateur. Vous avez un réparateur partout. Vous allez en trouver à foison. Même dans les marchés, les petits coins de rue, les abords, les trottoirs, on trouve des réparateurs. Parce que finalement, on se rend compte que face à la crise du chômage, le secteur de la réparation est une solution. Nous avons également le manque de débat sur l'obsolescence programmée. Je l'ai dit que ma présentation va s'attarder sur cet élément. Et c'est vrai que nous réparons. Mais les problèmes de fond persistent. Ce n'est pas tous les équipements qu'on remet aux réparateurs qui sont réparés. Des fois, ils font face à des difficultés et on laisse l'appareil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez à des schémas, on n'a pas assez à d'informations sur la réparation et
Le problème de l'obsolescence programmée s'invite et on garde ces équipements-là. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Voyez-vous? Donc, la médiatisation pourra renforcer les perceptions des consommateurs sur le problème de l'obsolescence programmée. Mais à part l'obsolescence programmée qui est le fait des fabricants, nous avons également ce qu'on peut appeler l'obsolescence culturelle, qui consiste à vouloir posséder le modèle le plus récent, le plus innovant, même si l'actuel fonctionne encore. Ici aussi au Bénin, ça court. Voyez-vous, ça effectivement court au Bénin. Les jeunes gens, les jeunes étudiants courent derrière la mode, courent derrière les nouvelles sorties des téléphones, des ordinateurs et autres. Et ceci crée l'obsolescence culturelle. Donc, si la réparation est la chose la mieux partagée au Bénin, ironie du sort, aucune loi ne l'autorise. Ça ne vous surprend pas? Nous réparons, mais il n'y a pas de loi qui l'autorise. C'est là un challenge, un défi que notre action doit pouvoir mettre en lumière et attirer l'attention donc sur les actions d'école pour faire le plaidoyer afin que le Bénin puisse disposer des tests spécifiques et qui tiennent compte des nouveaux défis de droit à la réparation. Et vous? À chaque fois quand j'y pense, ça me fait rire, ça me pince le cœur aussi. Voyez-vous, je me dis que peut-être un jour, on peut se lever et interdire à tout le monde de réparer. Voyez-vous? Et pour éviter cela, nous devons continuer le plaidoyer ici afin que nos autorités, les législateurs légifèrent pour permettre à ces jeunes gens de continuer par faire leur travail et d'aider l'environnement, d'aider la terre et d'aider les populations à économiser de l'argent. Donc, voilà quelques défis à relever. Et pour relever ces défis-là, les populations elles-mêmes, au cours de la consultation, ont fait des recommandations que nous avions sélectionnées. Nous avons sélectionné quelques-unes de ces recommandations-là. Et ici, la première recommandation, c'est de sensibiliser, informer, éduquer et former. Et dans le domaine de cette recommandation, notre club de réparation, les Sentinelles Fils Club, a installé une académie de réparation. Et là, nous formons tous ceux qui souhaitent avoir la main à la réparation, nous contactent et nous mettons à leur disposition, nous les mettons donc en contact avec certains professionnels du domaine de la réparation et ils se font former. À part l'académie de réparation, nous avons le kit de repair bootcamp pour informer, pour éduquer les jeunes gens, les enfants dans les écoles. Donc j'étais sur les recommandations que les populations, les citoyens ont eu à faire. Et je disais que nous avons une académie de réparation où nous formons. Nous avons également le Kid Repair Bootcamp, qui est une initiative qui permet d'éduquer et de sensibiliser les jeunes gens hein, dans les écoles, dans les places publiques et au siège de notre organisation. Nous avons aussi le Blonoton. Là, c'est la première de nos activités, le Blonoton et Blono. En langue fond de chez nous, ça veut dire réparer. Voyez-vous, donc on l'a ajouté à marathon pour former Blonoton. Donc marathon de réparation. Et là, c'est des ateliers collaboratifs de réparation que nous organisons et nous invitons les populations à participer avec leurs équipements obsolètes qui ont des problèmes et autres. Nous, de façon conviviale, nous réparons. Une autre recommandation que les populations ont eu à faire, c'est d'engager un processus fondé sur des évaluations scientifiques visant à mieux comprendre le problème des déchets, de la réparation sous l'angle du développement durable. Et c'est ce que nous avons commencé par faire à travers la consultation citoyenne qui nous a permis donc d'avoir ces recommandations. Les populations ont aussi souhaité que des lois soient adoptées et que des règlements spécifiques sur la réparation puissent être prises. Il faut également insérer dans ces lois les attributions et les responsabilités spécifiques des différents acteurs.
J'ai rappelé au début de mes propos les différents acteurs du domaine de la réparation ici. J'ai parlé des réparateurs même, j'ai parlé des services après-vente, j'ai parlé des consommateurs, j'ai parlé des gouvernants et j'ai parlé des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut des lois pour que chacun donc de ces acteurs puisse savoir ce qu'il doit faire. Il faut aussi encadrer et définir de manière claire les mécanismes d'importation des matériels électriques et électroniques. Définir et clarifier la notion de déchets aussi. Les populations ont aussi donc souhaité qu'il faut préciser les normes ainsi que les principes et conditions de la gestion et de la DEE et du secteur de la réparation. Il faut prendre un engagement sans faille dans la réglementation des activités illégales liées à la gestion, la collecte, évacuation, traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, voire informatiques, jugés dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Il faut réaliser aussi un contrôle plus assidu et sérieux. Donc, je disais tantôt que l'une des recommandations aussi, c'est de réaliser un contrôle assidu et sérieux des transferts transfrontaliers de produits jugés dangereux susceptibles. Entre le Bénin et le Nigeria, par exemple, le contrôle n'est pas assidu. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de matériel et d'équipements électriques et électroniques qui transitent du Nigeria vers le Bénin et vice-versa. Donc les populations ont souhaité qu'un contrôle soit mis en place et que ce dernier soit assidu. Donc les actions doivent veiller au respect des recommandations de la Convention de Bâle sur les déchets dangereux. Et enfin, la dernière recommandation, c'est d'opérer une meilleure articulation entre les piliers du développement durable et les différents objectifs de gestion propre des déchets électriques, électroniques, voire informatiques. Voilà en quelques lignes une partie ou un extrait de la consultation, des résultats de la consultation citoyenne que notre club Sentinelle Peace Club a mené, continue d'ailleurs de mener, parce qu'on n'a pas encore bouclé cette consultation citoyenne-là. Nous y sommes toujours et nous espérons qu'avec un peu d'entrain, un peu de courage, nous allons le boucler et nous allons publier sous peu les résultats de cette consultation citoyenne-là. Et je vous l'annonce d'ores et déjà, cette consultation citoyenne va avoir pour titre les réparateurs, l'arbre qui cache la forêt. Voilà, donc je suis maintenant ouvert à vos apports et vos questions. Merci. Thank you, Elias. We already have a question in the chat by Panda regarding trust situation and warranties. Wow. La Panda voudrait savoir quelle est la situation de confiance avec les réparateurs. Est-ce qu'il y a des garanties? Oui, merci Panda. À ce propos, je vais te dire directement qu'il n'y a pas de garantie. Avec les jeunes réparateurs dans les rues et les marchés, il n'y a pas du tout de garantie. Ouais, dès lors que tu leur amènes ton équipement, ce n'est pas sûr que tu le récupères intact et en sécurité. Ce n'est pas non plus sûr qu'il règle le problème. Donc, c'est une question d'entente entre toi et le réparateur. Donc, ce qui pose effectivement le problème de formation. Mieux, il n'y a pas non plus des offres d'assurance qui pourront aider même certains ateliers de réparation qui sont sur le marché. Ils n'ont pas des offres spécifiques que les compagnies d'assurance peuvent leur proposer afin qu'ils puissent quand même sécuriser le matériel des populations. Voyez-vous? Donc, voilà un peu comme ça. C'est là ce que je mettais dans la confiance entre les réparateurs et les consommateurs.
Une autre intervention. Yeah, so thank you. Thank you again. Merci beaucoup, Catherine. I think, if you want to see, well, if we want to know more about you or see about you, I think you're very active on Twitter, if that's right. I've seen you there already sometimes. And the possibility to connect with you. Thanks. And then let's continue and move on to the next presentation.